Donc ça commence bien. Et puis, petit à petit, c'est l'inverse. OK? Mais en général, c'est vraiment ce genre de gars ou de nana, pour moi, qui a déjà quelqu'un. Ouais. Qui n'est pas libre, en fait, de base. Voilà. OK? Donc après, il faut arriver à la fuite. Ah ben ça, ah oui, hein, donc moi, ce que je comprends pas chez des hommes et des femmes, c'est pourquoi, puis en plus, hein, vous faites aussi ce truc où vous les matez, vous les regardez beaucoup, et vous faites tout pour que ça soit eux et elles qui viennent vers vous. Donc si vous n'êtes pas libre, ben vous avez qu'à décliner, c'est-à-dire dire, ah moi je peux pas. Moi, je peux pas, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Alors, il y en a, ils vont un peu faire genre. Et au final, de toute façon, c'est eux, si vous voulez, les coupables de l'histoire. Parce que au final, si vous voulez, ils passent outre. Donc, ces hommes et ces femmes, par exemple, qui ont déjà quelqu'un, qui ne sont pas libres, au final. Attention, parce que des fois aussi au niveau de leur gonzesse ou inversement, quand ils se font choper, ils jouent les victimes, tu vois, et ils vont aller dire, ah non, mais c'est pas moi, c'est elle. Mais à qui la faute? Vous savez pas décliner, vous ne savez pas dire à des mecs et des nanas, ah moi je peux pas, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Mais si. Donc si on regarde bien, le seul coupable dans ces histoires, c'est ces mecs et ces nanas qui ont déjà quelqu'un. Ah ben si, parce qu'il y a des mecs et des nanas, quand ils ont quelqu'un, même si, parce que déjà on ne peut pas savoir si dispo, pas dispo, hein, mais ils vont vous parler, ils vont vous répondre. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils ne vous disent pas tout simplement, moi je ne suis pas libre? Mais attention, quand ils se font piquer, comme je le vois, attention, parce qu'ils vous mettent tout sur le dos, tout. Hein? Et c'est vrai que pour, oh mon Dieu, pour l'officiel, ça donne une impression, qu'est-ce qu'elles sont connes, ces femmes ou ces mecs, qu'ils ont l'impression, oh mais c'est pas sa faute, c'est lui ou elle qui est venu lui parler le premier. Ouais, et pourquoi ils répondent? Ouais, pourquoi ils se voient? Ouais, pourquoi ils couchent avec? On les viole pas, ces gens-là. Donc, c'est eux les coupables, ok? Et non, les célibataires. Et ça va pas, en fait. Non, non, ça va pas. Non, ça va pas. Donc, moi, c'est des mecs et des nanas qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, bien souvent. OK? Voilà. Mais,